Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons prendre place en commençant avec un tout petit retard. Nous sommes très heureux de voir la salle aussi pleine. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour. Je suis Chris Partridge. Je vais jouer le rôle de modérateur lors de cette séance. Avec ma collègue Bruna. La fragmentation de l'Internet. Nous avons déjà beaucoup parlé de ce sujet depuis 3 jours, 2 jours et demi. Ce sera l'occasion, lors de cette séance principale, de mettre en commun les discussions, les apprentissages ici et lors de toutes les manifestations qui ont précédé cette réunion, ce forum. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. Comme nous le savons, le forum de cette année tourne autour d'un certain nombre de choses, de thèmes qui reprennent les thèmes du secrétaire général de l'ONU pour le pacte numérique mondial. Alors que la communauté IGF devrait pouvoir structurer ainsi ses contributions, ses commentaires, afin de pouvoir participer à ce pacte numérique mondial et afin que ce document soit utile. Éviter la fragmentation de l'Internet, ça fait partie donc de ces thèmes. C'est un thème qui, plus que d'autres, nécessite beaucoup d'orientation. Il faut creuser, se demander ce que cela signifie. Qu'est-ce que ça signifie pour les utilisateurs de l'Internet, pour l'Internet et pour ce que l'Internet peut offrir à nos sociétés? Lors de la séance plénière ici aujourd'hui, nous avons un panel plutôt nombreux, mais un panel qui va apporter des points de vue divers et enrichir ainsi la discussion. Nous avons Amandik Sibhil, qui est l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies sur la technologie. Nous avons Tatiana Trapina, professeure de l'Université de Leiden. Edmund Chung, PDG de l'organisation .Asia. Membre également du conseil d'administration ICANN. Nous avons aussi l'association d'Amérique latine pour Internet représentée ici. Nous avons Gandhi qui dirige au niveau de Meta l'inclusivité. Nous avons Sheetal Kumar qui fait partie de Global Partners Digital, qui a été l'un des présidents du réseau des politiques sur la fragmentation de l'Internet. Pour démarrer cette séance, nous voulions entendre des jeunes, écouter les jeunes qui nous disent ce que signifie la fragmentation de l'Internet pour eux. Nous avons lancé un appel à des vidéos, de courtes vidéos des jeunes. Certains sont ici, d'autres n'ont pas pu faire le déplacement et nous allons vous passer ces clips en espérant que ça va aussi inspirer d'autres jeunes ici à prendre la parole lors des discussions, d'autres jeunes à contribuer. Je pense que nous allons maintenant pouvoir faire passer ce clip, cette vidéo. Est-ce qu'il est possible de projeter la vidéo?
Je pensais que c'était intéressant d'avoir cette première vidéo sur une perception de la fragmentation pour l'intégration de l'Internet et les technologies ainsi dessus, pour souligner à quel point les perceptions peuvent être différentes en fonction de là où vous êtes dans le monde, en fonction de ce que vous faites aussi. C'est bien d'avoir pu écouter ces messages intéressants. Pour revenir à nos discussions, la fragmentation Internet est un des problèmes complexes recommandés par le secrétaire général pour que ce soit pris en compte dans le pacte. Pourriez-vous développer davantage comment on peut voir la fragmentation lors des prochaines négociations de l'ONU, des processus, pourriez-vous nous aider à comprendre ce qu'est que la perspective de l'ONU? Ça a été une question posée dans les séances précédentes également. Merci beaucoup et félicitations à vous, Bruna et Chris, pour avoir pu faire écouter les voix des jeunes. C'était instructif d'écouter la perspective des jeunes. Vous voyez clairement que l'expérience de l'utilisateur est fragmentée en matière d'Internet. C'est la réalité en passant d'une géographie à une autre ou d'une application à une autre. On n'a pas de transition harmonieuse. On est limité par notre façon d'utiliser l'Internet. Donc, cette fragmentation est une réalité pour les utilisateurs. Les points saillants, c'est sérieux, c'est une menace au fondement d'un seul Internet. C'est la question essentielle. La raison pour que le secrétaire général a demandé que ce soit pris en compte dans le pacte, c'est à cause de la gravité de ce risque particulier. Et la fragmentation de l'Internet est l'opposé direct de la coopération numérique. Le type de collaboration dont on a besoin entre les pays multilatérales, entre les domaines et les parties prenantes, multiparties prenantes, c'est l'opposé même de cela. Voilà la gravité de cette question. C'est pour cela que ça doit être traité au sein des discussions du pacte. Alors, qu'est-ce qui contribue à cette fragmentation? Il y a bien sûr, au niveau du contenu, il y a différents avis sur les conséquences sociales et économiques de ce qui se passe sur Internet. Différents pays, différentes cultures peuvent avoir des approches réglementaires différentes, que ce soit religieux, ou haute sensibilité, en particulier la perception nationale de la confidentialité. Ça peut être fait d'une façon qui peut aboutir à la fragmentation, c'est l'un des aspects. Les autres, c'est les moteurs des opportunités économiques. C'est ironique, un Internet unique, libre, a donné tellement d'avantages et beaucoup de participants ont parlé de l'opportunité que ça offre, des possibilités. Et quand vous voyez ces figures de capitalisation géante, voir ces autres aspects de succès, de réussite, que ce soit dans les médias ou autres, il y en a certains qui disent pourquoi on n'a pas une part égale du gâteau et comment je peux gérer ma propre économie numérique et pourquoi avoir le contrôle des données comme avant dans le domaine industriel. Est-ce que je dois créer mon propre domaine national? Et l'autre, c'est le manque de collaboration internationale.
le manque de collaboration multipartie prenante. Il faut qu'on travaille en collaboration pour s'attaquer à ce problème dans le pacte mondial et autres. L'autoréflexion dont vous avez parlé des forums de l'ONU, est-ce que ces forums contribuent à la fragmentation pour les discussions sur la gouvernance? Et les trois piliers de mon bureau, du travail de mon bureau, sont aussi importants que le travail des autres. À quel point le secrétaire général veut que l'on soit conscient de cela? À travers le système de l'ONU, qui soit engagé dans les réseaux physiques ou dans les implications en matière de droits de l'homme, éducation, etc. Est-ce que c'est mieux coordonné pour que les États membres, les autres parties prenantes, n'aient pas à être confondus vu les différents aspects du numérique? Et on travaille dans l'unicité de l'ONU. Et c'est un rôle très important pour la cohérence et la coordination. Donc, pour que nous, dans le système onusien, ne contribuions pas davantage à ce problème déjà difficile. Des réflexions intéressantes. Le rôle d'une stratégie contre la fragmentation est une perspective intéressante de votre bureau. On a une séance hybride dans l'esprit de ce forum moderne. C'est Tatiana qui est à la haie. Je m'adresse à vous comme quelqu'un qui a été impliqué dans les discussions académiques de la fragmentation. Vous avez écrit là-dessus pour résumer la question qu'on veut vous poser. Quelle est la situation actuelle et les risques existants de fragmentation dans votre perspective académique? Est-ce que ça a changé de façon considérable pendant les quelques dernières années? Parce qu'on voit que ça devient une priorité. Est-ce que ça indique des changements? Est-ce que ça fait que ça pousse le secrétaire général? C'est un plaisir d'être là de loin. Merci. Je vais commencer par l'idée qui a déjà été propagée, exprimée par Amandine. On voit ça de différentes optiques. Il y a l'aspect technique, contenu et aussi l'infrastructure. Selon moi, l'Internet a toujours été fragmenté. Ces différents réseaux, c'est déjà fragmenté. Mais en même temps, parce qu'il y a la connectivité, les systèmes parlent le même langage, il y a des différences de protocole interne, il y a ces adresses. Et cette connectivité n'a pas été interpellée. Donc, l'Internet ne va pas être fragmenté. Tout ce à quoi on a pensé il y a 5, 6, 7 années, interpellant cette connectivité, il y a quelques années, les nouveaux pays, etc., quelque chose qui allait briser ou diviser l'Internet, ça ne s'est pas matérialisé, ça ne s'est pas encore matérialisé. Et pourquoi est-ce que ce débat est très intéressant? Parce qu'il y a différentes entités nationales, gouvernementales et intergouvernements qui s'attaquent justement à cela. La dichotomie que font les régimes autoritaires, démocratiques, c'est plus pertinent. Heureusement, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Est-ce
Est-ce que ça peut aboutir à la perte de cette connectivité mondiale? Au-delà de l'aspect technique, le terme de l'expérience de l'utilisateur en matière de fragmentation a été utilisé. Au niveau de l'infrastructure, ce n'est pas la fragmentation de l'Internet. Ce que l'on voit ici, les régimes démocratiques ou autoritaires utilisent le même outil, pour certains pour la survie de leur système politique, d'autres pour protéger les citoyens. La restriction des informations, de la connectivité, construire des clôtures, traiter cette connectivité et le réseau mondial comme le terrain de leur souveraineté et leur utilisation de leur expérience dans les différentes parties du monde peuvent être très différentes. Pour beaucoup, ce sont peut-être des violations des droits de l'homme. Et je ne les appelle pas une fragmentation de l'Internet, parce que ça réduit le problème, même si je suis d'accord que ce contrôle et l'imposition des restrictions autour du monde est une tendance dangereuse qui, au bout du monde, ne va pas interpeller la connectivité mondiale. Mais ça peut fragmenter l'expérience de l'utilisateur, interpeller l'ouverture et la nature mondiale de l'Internet, briser la promesse de l'innovation et de la connectivité. Les verrouillages de l'Internet, je ne l'appelle pas une fragmentation, c'est une violation des droits de l'homme. Même pas un changement de l'expérience de l'utilisateur, mais qui ne permet pas à l'utilisateur d'utiliser. Pourquoi on a ceci maintenant? Aujourd'hui, ce débat est aussi important que jamais. Et cet appétit pour la souveraineté numérique, la réglementation, on a parlé de la collaboration multipartie prenante, qui est très importante, mais aussi le modèle de gouvernance multipartie prenante, ce qui existe déjà, et l'engagement envers ce modèle de gouvernance est réduit considérablement, et la couche de l'infrastructure, c'est l'expérience est irréversible en ce qui concerne la connectivité mondiale. Une fois qu'on s'attaque à la technique, on peut perdre l'Internet tel qu'on le connaît. On est d'accord qu'indépendamment de l'endroit où vous êtes, quand on parle de violation des droits de l'homme ou de fragmentation, ces débats ont commencé au niveau de l'infrastructure et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, il y a différentes fragmentations au niveau de l'infrastructure pour chacun. Je voudrais maintenant poser une question à Edmund Cheng. Comment considérez-vous que c'est une préoccupation pour la communauté des opérateurs, comment cette alliance est expliquée? Merci de votre invitation. C'est un thème important, la fragmentation de l'Internet. Je veux commencer par tirer parti de ce qu'a dit Tatiana. Qu'est-ce que la fragmentation ou qu'est-ce qu'elle n'est pas? Il y a différentes expériences. La diversité, ce n'est pas une fragmentation. Quand je vais à Google ici en Éthiopie, pour la première fois, c'est en langue éthiopienne. C'est une expérience, ce n'est pas une fragmentation. Le cadre, le réseau mis en place est très utile pour nous aider à discerner ce qu'est ou n'est pas la fragmentation et les couches, l'aspect technique,
le contenu ou l'expérience de l'utilisateur. L'Internet lui-même est un système décentralisé et ce n'est pas une fragmentation. Par exemple, en Asie, on a différentes politiques de .com ou .jp ou .kit qui aident à faire fonctionner. C'est différent de .com. C'est un espace pour la sécurité, la protection des enfants et les droits des enfants. Le risque, c'est quand on va trop loin avec ce concept de fragmentation, la souveraineté numérique. Différents gouvernements aiment parler de souveraineté numérique, mais quand vous voulez l'appliquer au niveau de la technique, ça revient toujours à un Internet dont on parle, ça devient un problème. C'est là qu'on devrait s'inquiéter pour ceux qui veulent s'opposer au modèle multi-parties prenantes qu'on a essayé de construire pendant des années pour faire fonctionner l'Internet tel qu'il est actuellement, renforcer les institutions, participer à ICANN ou à ITF, c'est des aspects importants pour participer ici au forum, mais au système, à l'écosystème de gouvernance. C'est important, c'est le thème du jour. Comment éviter la fragmentation de l'Internet? Mais pour éviter la fragmentation sur le plan technique, quand on parle du DSN, de la couche fondamentale, il faut mettre un niveau, passer du 5 aussi, de sécurité. Les noms de domaine international, les adresses dans les langues autochtones. Et enfin, je veux aborder un autre point soulevé dans la vidéo, c'est à propos de la confiance. On veut éviter la fragmentation. C'est la confiance, c'est ce qui permet de garder l'Internet non fragmenté. Si on a des protocoles, des normes, si on veut interpeller la gouvernance des mécanismes, des institutions que l'on a pour des décideurs régionaux ou autres, il faut qu'on en soit conscient et préoccupé. Je vais m'arrêter là. Ce que je veux souligner, c'est discerner d'abord ce qu'est et ce que n'est pas la fragmentation. Deux, et les protocoles et les normes doivent être mises à jour, mises à niveau et continuer à avoir ces normes ouvertes. Et troisièmement, c'est pour éviter la fragmentation au niveau technique. C'est de renforcer la compétence de l'ITF, des forums comme celui-ci. Ce n'est pas des institutions parfaites, elles doivent être améliorées. Il faut plus de principes démocratiques, mais la participation commune et l'inclusion sont essentielles pour éviter la fragmentation. Merci beaucoup. Ça saisit beaucoup de points fondamentaux. Raoul Echeverria, vous êtes quelqu'un qui a un antécédent technique, mais aujourd'hui c'est du côté de l'industrie, du secteur privé à mener la perspective du privé dans ces discussions. C'est fondamental. Regardant l'organisation dans laquelle vous travaillez en Amérique latine, les mesures techniques, commerciales, est-ce qu'elles amènent à la fragmentation ou aux effets de ce qu'on appelle la fragmentation? Merci pour l'invitation aux organisateurs.
Merci de m'avoir donné l'occasion de partager avec des collègues si distingués. Il faut commencer par dire c'est que la fragmentation est une mauvaise chose. C'est pour ça là qu'on veut l'éviter. Le fait qu'on puisse le contacter mondialement est un facteur clé du succès de l'Internet. L'Internet est le fait de pouvoir accéder à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que quand les personnes ont des réponses différentes à la même action sur l'Internet, des actions similaires et des réponses différentes parce qu'ils sont connectés à différents réseaux, vous perdez la confiance. Vous ne pouvez plus avoir confiance dans l'outil que vous utilisez. Le cadre du réseau politique est utile. On comprend différents genres de fragmentation, ce dont ont parlé les autres collègues. L'expérience des utilisateurs, mettons l'accent sur l'aspect technique. On sait que dans cette catégorie, il y a différentes situations. Il y a des fragmentations intentionnelles. Dans la séance précédente, on a entendu parler d'une histoire concrète d'un pays où ça a lieu. Cette fragmentation est provoquée délibérément, ce n'est pas apolitique. C'est aligné avec ce qu'a dit Tatiana. Ça, c'est pas que la fragmentation. Il faut pas garder l'idée que c'est quelque chose qu'on peut résoudre avec l'aspect technique. C'est dans la couche politique. Mais les autres catégories, c'est ce qui n'est pas intentionnel. C'est plus qu'un politique, c'est une politique. En anglais, nous donne la, qui est beaucoup plus difficile en espagnol, faire la différence entre politique et policy. Vous avez demandé des exemples concrets. Les autres collègues parlent déjà de la fragmentation entre différents réseaux, mais on voit la fragmentation au sein d'un même pays. Pourquoi? Parce que les décideurs essayent de résoudre des problèmes spécifiques et cherchent des solutions simples, par exemple de protéger ou de bloquer ou de filtrer le contenu, parce que s'il y a une violation des droits de propriété intellectuelle ou parce qu'ils sont considérés comme illégaux, quand on voit les jeux, on voit des lois, des réglementations qui disent simplement aux prestataires de services Internet, vous devez supprimer ou filtrer ce contenu. Mais malheureusement, filtrer ou supprimer est beaucoup plus compliqué que ça ne le semble. Les décideurs le sous-estiment parce qu'ils n'impliquent pas toutes les parties prenantes au début des discussions. Il y a un document très intéressant de la société Internet de 2018, j'en suis pas sûr, qui explique les mécanismes existants pour filtrer les contenus avec tous les risques que ça entraîne. C'est pas simple. Et le risque au sein, les risques associés aux droits, aux libertés d'expression, c'est un gros risque de fragmentation parce que différents prestataires de services peuvent prendre des mesures différentes pour se conformer à cet ordre de filtrer. On suit ce qui se passe avec la Coupe du Monde. On a vu différentes initiatives politiques dans les pays qui essayent de protéger ceux qui ont les droits pour la transmission des jeux. Donc la réglementation dit aux prestataires de le disque supprimer et ça aboutit au problème que j'ai mentionné. Mais ça peut être encore pire.
Il y a un exemple, ce qu'on connaît comme kill switch. Quand la loi dit si un site ou une compagnie ne se conforme pas à une certaine règle, doit être bloqué. Parce qu'on ignore l'évolution de l'architecture de l'Internet au cours des quelques dernières années. On ne peut pas bloquer simplement. On a les nuages, on a des plateformes qui sont sur des sites d'autres compagnies, d'autres services. Vous ne pouvez pas justement bloquer Amazon.com ou Facebook.com. C'est comment, quand ces prestataires de services essayent de mettre en œuvre des décisions pareilles, c'est très risqué. Et c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Vous avez bien saisi un point pertinent et pourquoi ça fait partie du plus grande coopération mondiale et pourquoi ça doit être discuté, mais c'est la volonté de toutes les parties prenantes de faire partie pour éviter la fragmentation. Alors, on a Meta maintenant, le Facebook et d'autres plateformes jouent un rôle compliqué dans les discussions sur la fragmentation. Comment vous voyez du côté de du secteur privé ou comment cette plateforme peut aider à empêcher la fragmentation. Merci pour avoir accepté. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité et d'avoir invité Meta. Merci aussi pour avoir fait écouter la voix des jeunes. Il y a beaucoup de panels ou d'ateliers où j'ai assisté qui mettent les jeunes au centre de cette conversation. Celui qui m'a précédé a parlé des TIC, des technologies numériques doivent répondre équitablement et créer des opportunités pour tout le monde. Transformer la vie des communautés est un moteur formidable de l'innovation. Mais ce potentiel unique, comme l'ont dit Raoul et d'autres, ne peut être canalisé, exploité qu'avec la nature fondamentale de l'Internet qui doit être ouvert, interconnecté. Et comme l'a dit l'un des panélistes, il faut préserver les droits, les libertés, la confiance et la sécurité des personnes qui utilisent Internet. Les plateformes comme Meta ont un rôle majeur à jouer pour éviter la fragmentation. On a 5 millions. L'une des tâches importantes qu'on doit promouvoir est de faire en sorte que les droits de l'homme sont au centre en développant nos produits, nos politiques. Deuxième, reconnaître là où les gouvernements peuvent jouer un rôle pour défendre un Internet ouvert, promouvoir une coopération internationale multipartie prenante. Donc tout d'abord, comme certains panélistes l'ont déjà dit, les gens dans le monde entier exercent leur droit de la liberté d'expression. Certains regardent la Coupe du Monde et espèrent que l'Afrique va gagner. Ça aide l'éducation et beaucoup en ligne. En même temps, on ne peut pas ne pas voir les défis cruciaux. Tout d'abord, les gens qui utilisent nos plateformes ont été en silo ou limité leur capacité pour exprimer leurs droits à cause des restrictions sur l'Internet ouvert. La violation des droits de l'homme se produit en ligne, l'harcèlement, la désinformation, la surveillance, il y a beaucoup d'autres choses.
Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que plateforme pour éviter cette fragmentation? On a pris plusieurs mesures pour mettre les droits de l'homme au centre de notre approche tout d'abord. On a une équipe des droits de l'homme. Certains d'entre vous avaient rencontré certains membres. On a une politique ambitieuse, un conseil, un fonds de défense. On a aussi dans le pacte de l'ONU et on a un rapport sur les droits de l'homme. Ce que l'on fait aussi au-delà, mon équipe se concentre là-dessus. L'engagement des parties prenantes est important pour établir des normes. Les communautés marginalisées qui sont toujours négligées dans l'élaboration des politiques. Ce que je veux mentionner également, je ne sais pas si vous faisiez partie de la séance d'ouverture. Kojebashi disait que nous efforçons de renforcer une connectivité de valeur à l'Internet. D'autres membres du panel ont déjà parlé de l'aspect contenu, de la façon dont cet aspect contribue à la fragmentation de l'Internet. Mais notons également que l'accès en soi ne suffit pas. Il faut un accès de qualité, utile, une bonne utilisation de l'Internet. Et ça, c'est possible lorsqu'il y a les connaissances numériques. L'on connaisse aussi les limites, discrimination, violence, etc. Nous faisons partie de la solution et non pas du problème. Nous savons aussi que nous faisons partie d'un écosystème et qu'il faut donc une collaboration qui couvre le secteur tout entier. Merci. Nous avons perdu l'intervenant. Nous n'entendons pas la salle. Alors, cette question de fragmentation, lorsqu'on a voulu mettre en place cette séance, répondre à cette question, la difficulté, ça a été de voir tout le travail parallèle, même s'il est complémentaire autour de la fragmentation de l'Internet. Nous allons maintenant écouter Sheetal Kumar, Global Digital Partners, qui peut aussi nous parler de ce qui se passe dans ce réseau de prise de décision. Il y a eu différentes réunions avant celle-ci. Et avant que je ne donne la parole à Sheetal, donc dans l'esprit d'une réunion hybride, je voudrais noter qu'il y a eu des discussions intéressantes sur Zoom. Et si des personnes dans cette salle souhaitent prendre part à la discussion sur Zoom, elle est plutôt intéressante. Et l'un des points de discorde, ça a été cette question de fragmentation, expérience de l'utilisateur, fragmentation technique. Et je sais que le cadre couvre ces questions-là. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu d'informations sur le travail de ce réseau de politique et en quoi est-ce que ce travail s'inscrit dans cette discussion? Merci Chris, merci pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, je suis l'un des co-facilitateurs avec Bruna de ce réseau de politique sur la fragmentation de l'Internet. Et nous venons de terminer une session. Juste avant cette réunion, on a posé des questions quant à notre avenir. On s'est demandé est-ce que la fragmentation est en cours, sur le point d'arriver. Et j'ai trouvé ça intéressant. Nous sommes arrivés à un stade où nous nous rapprochons d'un Internet en accès libre, interconnecté. Comprendre ce qu'il se passe concrètement, ça fait partie de l'exercice dans lequel nous nous sommes lancés. Il y a aussi une menace et nous devons faire quelque chose. Notre réseau a été créé pour répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'on entend par fragmentation d'Internet? Et à nos débuts, nous avons compris qu'il y avait différents points de vue, de nombreux points de vue. Nous avons organisé des webinaires, des discussions, des sondages pour essayer de comprendre ce que l'on entend par fragmentation de l'Internet.
Est-ce qu'on parle de la même chose? Et nous avons dégagé deux éléments d'un cadre qui couvre l'essentiel des réponses que nous avons pu recueillir. Nous avons premièrement, comme vous l'avez dit, l'expérience de l'utilisateur d'Internet, cette expérience fragmentaire. Et cela peut signifier que la connectivité, l'interopérabilité, l'aspect technique fonctionnent, qu'il y a donc vraiment cette connexion, il est possible de se connecter. Mais dans la pratique, l'utilisateur se retrouve parfois isolé de l'Internet parce qu'il y a des mesures délibérées qui l'empêchent d'avoir accès parce que l'utilisateur n'est pas connecté à un système interopérable. Donc ça, c'est l'expérience de l'utilisateur. Et puis, il y a le côté technique. Quelqu'un tantôt a parlé des éléments, des éléments techniques. Il faut protéger tous ces biens publics communs. Vous avez parlé de l'évolution de l'Internet. Il y a beaucoup de questions techniques. Donc, comment continuer à faire évoluer l'Internet pour qu'il reste ouvert, interconnecté, interopérable? Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en cours. Il y a des menaces aussi. Et nous essayons en même temps de mettre en place des mesures pour contrer cela. Il y a aussi des pratiques qui visent à contrôler ou à limiter l'accès, donc on peut bloquer le contenu ou autre. Et ces mesures, si elles sont, disons, normalisées, pourraient avoir un impact aussi sur le côté technique et sur l'interopérabilité. Donc, ça, c'est les deux éléments. Nous sommes encore en train d'en discuter. Nous attendons vos commentaires. Donc, ce n'est pas encore totalement fouillé. Il faut encore travailler. Quelqu'un a dit parmi les commentaires qu'il fallait pour chaque élément déterminer ce qui est la fragmentation de l'expérience de l'utilisateur, qu'est-ce qui est fragmentation technique. Donc, nous allons pouvoir le faire et nous comptons sur vous tous pour participer. Autre chose. Un commentaire que l'on retrouve encore dans notre réseau et lors des webinaires, c'est que la gouvernance d'Internet, si elle ne s'appuie pas sur plusieurs parties prenantes, ça ne va pas. En fait, nous devons travailler ensemble, collaborer, sans quoi ça, c'est une menace aussi à l'Internet. Donc, il faut préserver cette collaboration, renforcer cette collaboration. C'est un élément transversal, donc en matière de politique, en matière de mesures commerciales. Il faut tenir compte de cet impact potentiel sur Internet. Donc, j'espère avoir pu résumer le travail au niveau de notre réseau de politique. Et je dois également dire que nous avons pu beaucoup avancer ces derniers mois. Et nous allons renforcer ce que nous avons pu acquérir. Nous voulons un entendement commun de ces questions. Nous voulons faire des propositions de solutions, de recommandations à la communauté internationale afin d'éviter la fragmentation de l'Internet. Nous voulons encourager, promouvoir, défendre même un Internet en accès libre, ouvert. C'est quelque chose que nous aimons beaucoup. C'est une conversation très importante. Et j'encourage tout à chacun, encore une fois, à s'impliquer dans le travail de notre réseau des politiques, notre Policy Network. Merci. Les autres panélistes, si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez prendre la parole. Un ajout. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la Coupe du Monde. Et moi, je suis ici en Éthiopie, j'ouvre l'application télé et elle ne fonctionne pas à cause de questions de droit, de licence. Mais ça, ce n'est pas la fragmentation de l'Internet. Ce que je fais, c'est que je mets en place mon VPN et je peux regarder la télé. Mais si je ne peux pas le faire, ça, c'est la fragmentation. Que je ne puisse pas me connecter par VPN, là, il y a fragmentation. Le fait que je ne puisse pas me connecter sans VPN, ce n'est pas la fragmentation, il faut bien comprendre cela. Merci.
Tout à l'heure, j'ai parlé de ce qu'il fallait faire pour lutter contre la fragmentation de l'Internet et je voulais maintenir certains commentaires pour le deuxième tour. Après avoir écouté les interventions, je me dis qu'il faut vraiment surveiller ça de très près. Alors, l'expérience fragmentaire constante, d'autres indicateurs de fragmentation potentielle, Chipal a parlé d'un certain travail aussi, il faut travailler de façon continue et ainsi, il y aura donc cette alerte précoce qui nous permettra de prendre des mesures de prévention. Autre aspect, le côté technique. Nous avons parfois évité de très très près des problèmes, mais la sagesse a pris le devant. Il y a eu une certaine souplesse, notamment des institutions de gouvernance. Alors, renforcer la confiance dans la gouvernance par plusieurs parties prenantes de façon continue, du technique, ça c'est un deuxième aspect important de notre travail. Troisièmement, pour ce qui est de l'aspect politique, gouvernance, beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler des trois Internet, quatre Internet. C'est peut-être une caricature, mais il nous faut davantage de collaboration au niveau des circonscriptions principales. Alors, Union européenne, États-Unis, Chine, Inde, Brésil, Union africaine. Cet aspect de coopération numérique doit être encouragé. On ne peut pas, en fait, se limiter à des voies bilatérales. Donc, oui, il y a des accords entre les États-Unis, l'UE, mais il y a des aspects qui intéressent, en fait, la communauté internationale au sens large. Et c'est là que, on a une valeur ajoutée apportée par ce pacte mondial numérique. Allons ouvrir la parole à Salma avant cela. Amandip en a déjà parlé d'ailleurs. Donc, ce panel, cette session devra aller dans ce sens. Quelles sont les mesures concrètes à adopter, surtout lorsqu'on parle de ce pacte numérique mondial? Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants ici dans la salle ou en ligne qui souhaitent prendre la parole. Je regarde Tania, Amela. Il y a des idées, des commentaires, n'hésitez pas. Le monsieur au premier rang, alors présentez-vous et parlez suffisamment fort, parlez à voix haute. Merci de me donner la parole. Timothy. On a parlé de fragmentation de l'Internet et je pense avoir un bon exemple. Moi, je rencontre cette fragmentation chaque jour. Alors, c'est quand des utilisateurs comme moi ne peuvent pas avoir accès à l'Internet ou sont limités en fait dans leur accès. C'est ça la fragmentation. De nos jours, mon pays, avec 140 millions de personnes, on ne peut pas utiliser l'Internet pour une simple raison, on ne peut pas payer. Les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie, je suis russe, lié à Mastercard et Visa. Pourquoi ces conséquences? Les cartes sont essentielles, les systèmes de paiement sont concentrés aux États-Unis, ne sont pas protégés de l'interférence politique et la vulnérabilité de ces systèmes à la politique, ça entraîne la fragmentation. J'ai une question pour tous les panélistes. Qu'est-ce que nous, l'IGF, les Nations Unies, nous pouvons faire pour changer cela? Merci infiniment. Merci pour votre question. Nous allons recueillir trois ou quatre questions et revenir ensuite vers le panel. Merci, Bruno. Henriette Esterhuizen, Association pour la communication progressive. Merci pour votre excellent travail. Merci au réseau, à des politiques. Votre travail est très utile. Je voudrais souligner deux choses dont le panel
les puis poser une question. Chatel a parlé de normaliser la formatation au niveau de l'expérience utilisateur. Il y a un risque de fragmentation technique. Alors, il n'y a pas de fragmentation numérique maintenant, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de cette fragmentation, le pouvoir des politiques, le pouvoir des expériences. Ça peut affecter en fait ce qui se passe au niveau technique. L'innovation n'entraîne pas toujours de bonnes choses. Deuxièmement, le risque lorsque l'on nie cette fragmentation d'utilisation, de l'utilisateur, pardon, par exemple l'inégalité des accès, lorsqu'on se voit la face, l'inégalité d'accès est une menace à un Internet en accès libre, ouvert, interconnecté. Et si on sous-estime l'importance des inégalités d'accès, on n'arrivera jamais à un point où on pourra véritablement bénéficier de l'Internet. Je n'aimerais pas simplifier la fragmentation technique. Je sais que c'est différent, que c'est important, mais j'exhorte la communauté technique à voir la réalité, les risques réels aujourd'hui et demain du point de vue de l'utilisateur. Et puis ma proposition et la question, ce qui est très important et qui pourrait être vraiment efficace, c'est la collaboration entre les côtés techniques et les acteurs de la politique publique. Amandip a parlé de la coordination, collaboration technique. Et maintenant ma question, j'aimerais demander aux panélistes plutôt de réfléchir à l'état de la collaboration, comment l'évaluez-vous, cette collaboration entre les techniques et puis ICANN, Société Internet, tout ça, toutes ces organisations techniques, IETF, IAB, est-ce qu'il y a vraiment cette collaboration avec ceux qui gèrent les droits humains, les politiques publiques, etc. Merci. On avait une main levée de ce côté. Bonjour, chers amis, chers participants, merci aux panélistes, merci pour des exposés très édifiants, des contributions édifiantes. J'aimerais parler de gouvernance inclusive au niveau international de l'Internet. Il faut aussi éviter, ça me permettrait d'éviter la fragmentation. Il faut une étroite collaboration entre pays développés et en développement. Malheureusement, des mesures unilatérales, le blocage et sanctions imposées à certains pays. Tout ça fait qu'il est impossible d'arriver à cette coopération internationale nécessaire. Pour la coopération, la solidarité, comme le recommandent les documents de l'ONU, il faut un cadre international propice. Il faut un transfert des technologies, le renforcement des capacités. J'ai donc une question pour M. Gill. Je représente le secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce que votre équipe a intention de faire pour résoudre ce genre de problème? Merci. La dernière question. Merci, je vais m'exprimer en français.
Merci infiniment. Est-ce que je pourrais prendre la parole? Il y avait aussi une question dans la discussion en ligne. Vous avez la parole. Merci infiniment de m'avoir donné la parole. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous et à tous et à toutes. J'aimerais parler des raisons principales de la fragmentation d'Internet. Je pense que la cause principale, en fait, il y en a quatre. La première, c'est que l'on ne respecte pas la souveraineté nationale et les valeurs de chaque pays. L'égalité de la souveraineté dans la gouvernance du cyberespace. Deuxièmement, il y a de plus en plus de cybermenaces, cyberattaques, l'utilisation ou la militarisation de l'Internet, l'utilisation croissante de l'Internet pour des objectifs politiques. Troisième raison, les mesures punitives unilatérales dans le contexte numérique. Quatrièmement, l'absence de coopération des différentes plateformes numériques mondiales pour le respect de la loi concernant donc les contenus illégaux comme l'incitation à la violence et puis les campagnes de mésinformation, désinformation organisées. Il n'y a pas assez de coopération pour ce qui est de lutter contre la cybercriminalité. Ma proposition de solution. Tout d'abord, il faut mettre en place des accords internationaux contraignants sur la gouvernance de l'Internet basés sur le droit international. Par exemple, un traité international sur la souveraineté des données. On peut aussi mettre en place des cadres, des normes régissant le comportement sur les plateformes, le comportement des prestataires de services. L'Internet doit être un environnement pacifique, paisible, qui fasse la promotion du développement, que ce soit un bien public international et que chaque État membre signe une convention allant dans ce sens. Il faut aussi comprendre que l'Internet doit être un environnement de paix et non pas un nouveau champ de bataille. Sans quoi on se retrouve avec la fragmentation d'Internet. Ma question pour tous les panélistes, surtout M. Deep. Quelle pourrait être la contribution du pacte numérique international quant à ces problèmes critiques? Comment est-ce que le pacte à résoudre ces questions critiques comme celle de la souveraineté nationale, les cybermenaces et la militarisation de l'Internet, le manque de coopération des différentes plateformes. Dernière question dans le milieu de la salle, dans le centre. Merci Bruna, merci au panel. Merci pour les commentaires de l'envoyé spécial pour la technologie qui vient du ministère brésilien des Affaires étrangères. Je me réjouis d'entendre la voix des jeunes et le représentant brésilien des jeunes à parler des moteurs principaux de la fragmentation de l'Internet. Il a parlé de la fragmentation de la coopération internationale, un aspect qui est en fait un risque systémique à nos yeux. J'ai une question liée
au lien entre la fragmentation de l'Internet et la fracture numérique. Le son ne permet pas l'interprétation. L'intervenant est inaudible. Merci Bruno. Alors, il nous reste 15 minutes. Ça a été très utile d'entendre tous les commentaires des participants. Merci pour vos commentaires et pour vos questions. J'aimerais demander aux panélistes que l'on puisse faire un dernier tour en sens inverse pour vous donner l'occasion très rapidement de dire un dernier mot. Il y a des questions qui vous ont été posées par la salle. Et l'IGF travaille aussi sur des messages concernant le pacte numérique mondial. Alors, beaucoup d'excellentes questions digitales. J'aimerais répondre à deux de ces questions qui sont connectées et partager mon point de vue. Henriette a parlé d'impliquer différentes communautés dans des espaces où des décisions sont prises qui ont un impact sur tant de personnes. Et en quoi est-ce que les autres parties prenantes en dehors des experts techniques sont impliquées dans divers espaces et inversement? Il y a certains acteurs, des acteurs commerciaux, ceux qui ont des ressources, sont impliqués dans tout un éventail de travaux politiques, de normalisation, prise de décision, toutes ces choses qui ont un impact sur l'Internet. Il y a d'autres groupes qui ne sont pas si impliqués. Il faut donc que l'on comprenne les différentes communautés, le travail, l'impact des décisions des uns et des autres. La société civile a moins de ressources, mais il faut comprendre les intérêts du public et l'impact sur le public lorsque des décisions prises ont un impact qui ne sont pas forcément très bien, qui n'est pas forcément très bien compris. Alors, ceux qui ont plus de ressources vont orienter les discussions dans certains domaines beaucoup plus que d'autres, effectivement, mais il faut que tout le monde soit plus impliqué, essaye de comprendre les différentes incidences, surtout lorsque l'on parle de fragmentation. Et ça peut être accidentel, délibéré, mais les décisions sont parfois prises et elles entraînent donc un Internet moins interopérable, moins connecté, moins ouvert. Il faut comprendre ces ramifications, comprendre le pourquoi, et c'est essentiel. Et c'est quelque chose qui n'a pas commencé hein. Avec ce genre de discussion bien précise, nuancée, on va pouvoir avancer. Il est très bien que cette discussion ait lieu ici. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Emila, est-ce que je peux vous donner la parole pour quelques réflexions, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Merci à tous pour les questions. Question sur la collaboration, la coopération. La collaboration, les coopérations sont nécessaires.
Il y a de la place pour l'amélioration, comme il l'a dit. Certaines parties prenantes étaient impliquées dans les conversations qu'on a eues ici, montrent qu'il y a toujours un besoin d'un dialogue plus approfondi. La coopération est nécessaire, mais l'action de suivi est impossible sans vraiment comprendre les problèmes. Pour les décideurs, pour les industries, il faut comprendre l'écosystème Internet, les processus de gouvernance Internet. Les accords sont un bon point de départ. Le forum de réseau pour la fragmentation nous offre une possibilité de dialoguer. Comment faire avancer donc ces discussions, briser les silos avec l'expertise de toutes les parties prenantes, secteur privé, société civile, ainsi que la communauté technique? On va continuer. Raoul, est-ce que vous voulez prendre la parole? Merci. Oui, je crois qu'en parlant de la fragmentation comme une conséquence non délibérée des politiques ou des législations, il faut faire deux choses. Le réseau politique est important, continuer à en discuter là-dessus, montrer comment la fragmentation, il faut montrer, donner du matériel qui peut être utilisé par les décideurs, continuer à travailler, à convaincre les décideurs qui doivent faire participer toutes les parties prenantes dès le début des discussions sur les politiques pour qu'ils soient au courant des conséquences qui peuvent avoir d'autres conséquences qui ne sont pas celles qui étaient prévues. Mais pour cela, il faut créer la confiance entre les parties prenantes. Des mécanismes tels que ce forum FGI, ça permet de clarifier la position des décideurs au niveau national pour qu'ils aient confiance en ces mécanismes. On a beaucoup de mécanismes des parties prenantes au niveau international, national, régional, mais pas suffisamment au niveau national, et on doit travailler avec ces décideurs pour répondre à ce qu'a posé comme question Henriette sur la coopération entre la communauté technique en tant que membre actif. La collaboration est très bonne. La communauté technique doit participer davantage aux discussions politiques. Parfois, ils sont perçus comme étant en dehors du domaine, mais il faut qu'ils soient là pour donner l'avis technique et la perspective technique pour que ça entre dans les discussions politiques. Donc, la communauté technique doit participer, mais bien sûr, c'est l'aspect politique qui doit augmenter la coopération. La confiance est le mot qui revient aujourd'hui. Edmond, merci pour toutes les questions. Il y a deux points soulevés par Henriette. L'inégalité d'accès, c'est très intéressant. C'est un thème que je soulève. Qu'est-ce que c'est que la fragmentation? Si on parle de la fracture numérique, la question de fragmentation Internet, mais pour l'accès
d'inégalité de l'accès, comme s'il y a des chevauchements, comme la notation zéro des prestataires qui donnent accès gratuit, mais uniquement sur leur plateforme. C'est une fragmentation. D'après l'expérience des utilisateurs, un autre point que je pense être très intéressant de cette séance, c'est le point d'Henriette et d'Amandy. La fragmentation à une couche élevée et l'écart suffisamment large peut avoir un effet sur le domaine technique également. Il faut prendre cette question à cœur et pour répondre à cette question, en ajoutant à ce qu'a dit Raoul, d'une manière, la communauté technique ne peut pas. Parfois, c'est comme si ça allait de soi en termes de gouvernance, mais on ne peut plus dire que c'est comme si ça allait de soi. Il faut parler davantage de ces questions, même du côté de l'ITEV, de ce forum, des communautés techniques qui viennent et qui doivent participer. Et mon deuxième thème, l'autre partie, pour que cette communauté participe au niveau technique, il faut que ça reste ouvert et que ce soit multi-partie prenant. Pour le pacte mondial numérique, il faut un renforcement du modèle multi-partie prenant, partie prenante, pas uniquement du modèle, mais des institutions qui amène à ça, à la coopération telle que ICANN, l'ITEV et les autres registres régionaux d'Internet. Renforcer leurs travaux dans le pacte mondial serait très important. Quoi que vous écriviez, dans ce pacte, c'est un document important pour l'avenir, mais ce qui est plus important, c'est la participation continue. Et la communauté technique a été très active au début, il y a 17 ans, il y a 20 ans de cela, et ça nous a mis sur la voie de ce forum. Il est temps que ces communautés reviennent et soient plus actives. Leur participation ici à ce forum FGI est une manière d'éviter la fragmentation. Je vais donner la parole à Tania comme avant-dernière intervenante. Tania, merci beaucoup Chris. J'ai beaucoup de pages. Ce qu'on voit, ce qu'on a entendu autour de cette question, c'est comment est la fragmentation, comment ça se rapporte aux différentes couches. Ce que j'ai trouvé fascinant et décourageant dans ces discussions, on passe vraiment à ce qui peut être fait. Est-ce que la pratique commerciale est la fragmentation? Est-ce que l'aspect technique est la fragmentation au lieu de ce qui devrait être fait? Alors, pour dire, répondre à Edmond pour ce qui peut être fait, cette diversité de questions où on peut envisager la fragmentation, qu'est-ce qui peut être fait en rapport avec l'Internet? Les États, beaucoup des États, ne sont pas engagés à la gouvernance multipartie prenante, à l'Internet multipartie prenant. Il y a d'autres instruments pour les droits de l'homme, le développement, et certains instruments peuvent être utilisés pour répondre à cette fragmentation. Là où je veux mettre l'accent, c'est ce qu'a dit Edmond, l'aspect technique. N'oublions pas,
qu'aucun gouvernement et qu'aucune organisation internationale n'a imposé cette couche technique. Il faut qu'on comprenne qu'il faut décortiquer cette question de fragmentation et de ce qu'est que la fragmentation. Et je reviens à ma première intervention. Une fois que vous enlevez l'aspect technique, ce n'est pas uniquement identifier les protocoles, ils sont le modèle de gouvernance. J'ai participé à la séance d'ICON pour l'aspect technique, la communauté technique, même si elle a une mission étroite, doit sortir de sa tour d'ivoire et expliquer aux politiques que la gouvernance est importante. Une fois que vous brisez ce modèle, vous perdez la confiance. Et c'est là que vous arrivez. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on arrivera à un Internet stable. Il y a des questions de la salle sur le rôle de l'ONU également. Les acteurs commerciaux doivent assumer leurs propres responsabilités pour prévenir la fragmentation. Ce que vous avez décrit comme les grandes plateformes, parfois ils ne se rendent pas compte de leur pouvoir et de ce que peuvent faire leurs actions à l'échelle mondiale. Il faut une meilleure connaissance de ce fait et il faut plus de responsabilité par cette partie de la communauté des parties prenantes pour empêcher la fragmentation, parce que au bout du compte, ça les impactera négativement. Ils doivent reconnaître que si le système innovant est privé de cela, notre avenir est en jeu. C'est une réponse partielle à votre question. Il y avait des questions autour des question politique. C'est ceux qui sont au sommet, s'il y a des fissures, ça peut arriver à la fondation en bas, à la base. Il y a certaines choses qui n'ont pas eu lieu, on devrait être reconnaissant. Ce débat autour du domaine du niveau élevé où l'accès devrait être restreint. Parfois, ça arrive à des territoires dangereux. C'est bien qu'on ne se sera pas descendu en bas. Il y a d'autres problèmes. Il y a un genre de dynamique. Et la situation de la poule et de l'œuf. Les réponses telles que la souveraineté numérique. Il faut être prudent que cette dynamique n'aille pas au-delà de la ligne rouge où il peut y avoir une fragmentation. La question de notre collègue iranien, des perspectives intéressante, comment elles seront reflétées dans le pacte. Tous les États membres participeront, donc chacun aura l'occasion de contribuer à ce qui doit être proposé comme être pour que ce soit un document vraiment mondial. Et la question qui a été posée aujourd'hui, c'était des questions très intéressantes. Je vous remercie tous pour l'avoir formulé d'une façon aussi agréable. Merci beaucoup et je remercie tout le monde pour les apports précieux aux discussions. C'est loin d'être la fin des discussions sur la fragmentation. Il y a des questions
Il faut nuancer pour que ce débat ait un sens. Mais l'un des points qu'on a retenu pendant cette séance, c'est la question de la confiance et l'engagement renforcé envers le processus multipartie prenante et ce qui a fait de l'Internet ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie pour ces discussions. Le plan, c'est de renforcer les consultations pour le pacte mondial et les discussions continueront jusqu'à l'année prochaine. Donc, envoyez-nous vos apports, vos contributions et je vous souhaite un bon appétit. Merci.